Salut tout le monde, un petit tuto à nouveau. Ça faisait longtemps, à la demande de Fishy Malone, sur la dernière anime. Réglage de projet, contrôle D, 25 images par seconde ici. Je vais rentrer mon réglage perso. Nombre d'images, pareil, enfin maintenant vous savez, je pense. Sinon vous me demandez en MP. Charger pré-réglage. Pas oublier de le sélectionner. Bon, on va passer les détails ici. Je vais mettre toutes les images. Si vous ne savez pas, vous faites pause. Enregistrez, préparez-vous un petit fichier, genre Méduse, quelque part. Comme ça, vous êtes tranquille. Il n'y a plus qu'à trouver le chemin. Voilà, Méduse. Un petit tag, même si vous voulez. Hop, enregistrer, on fait la même chose pour le fichier C4D, enregistrer sous. Par exemple. Voilà. TIFF4 que PSD ou Film QuickTime, c'est comme vous voulez. Multipass, rien, anti-aliasing, au mieux. Animation, c'est unanime. Voilà. Je pense qu'on est prêt à partir. Donc, c'était une méduse. On va faire une sphère. Ombrage de gros plus ligne. Ici. Hop. On va réduire son segment. Vous pouvez jouer sur la hauteur, etc. Enfin, sur le rayon, etc. Moi, je vais la laisser comme ça, de base, comme ça. C'est très bien. On n'a pas trop de changements à faire. Je vais venir prendre ici une sphérification. Je vais la mettre en enfant de ma sphère, par exemple. Je vais lui mettre un rayon de, je sais pas, je vais mettre un rayon de, voyons voir 75 ce que ça donne. Très bien. Et en intensité, je vais monter ça à 80%. Je prends ma sphérification. Excusez-moi, je suis fatigué et je baisse ma sphérification. Enfin, je la tire vers le bas jusqu'à ce que j'obtienne l'effet voulu, escompté, celui que vous aimez. Jusqu'à ce que ça vous semble avoir une forme de méduse à peu près. C'est bien. Voilà. Pour moi, ça me plaît là. Vous faites comme vous voulez. Une fois que ça vous plaît, sphère, clic droit, convertir en objet. Donc du coup, on peut effacer celui-ci. Sélectionner celui-là, double-cliquer dessus et le renommer en méduse. Hop, une fois qu'on l'a sélectionné, on va venir ici prendre le mode arrête. Sélectionner par boucle ou UL. Hop, on va prendre cette boucle-ci. Clic droit, et on va faire biseau. On va faire un petit biseau, genre comme ça. Voilà, on entend bien où c'est mon chat, tout en train de miauler. Mode arrête, on a dit, outil, on va reprendre l'outil sélection par boucle ou UL. Je vais prendre celle-ci et je vais faire une petite mise à l'échelle. Donc avec l'outil de mise à l'échelle... Alors après c'est pareil, vous arrêtez où ça vous semble bien. Moi je vais dire que là ça me paraît pas mal. Peut-être un peu plus, voilà, c'est très bien. Vous pouvez en profiter pour augmenter un petit peu, remonter un petit peu le tout. Si ça vous branche. Par exemple. Voilà. S'il y a des petits... défaut de lissage, vous pouvez baisser un petit peu le lissage. Mais bon, moi je le laisse comme c'est très bien. Pas s'embêter non plus. Laisser comme ça. Je vais reprendre mes vues, pardon. J'ai pas vu bien. Ouais, alors là par contre, du coup, on a un cône qui se crée. Donc on va prendre le mode polygone, l'outil pinceau de sélection. Sélectionner les polygones qui sont là. On voit bien le cône qui s'est créé. Ici dans l'axe Y, on va mettre ça à 0, appliquer, comme ça on a un fond plat.
une fois qu'on a le fond plat, bon, on peut faire une petite mise à l'échelle, par exemple. Comme ça. Hop. Et puis, on va faire une extrusion. Donc, le clic droit, extrusion. On va faire une extrusion. Plus grande. Par exemple, voilà. Ça me paraît bien. Et puis maintenant, on n'a plus besoin des polygones ici, donc on peut les effacer. Ah ah, ça c'est pas mal. Pourquoi est-ce que mon extrusion? Ah ok. Donc l'extrusion, cochez bien préserver les groupes avant de faire votre extrusion. Par exemple, voilà. En fait, une petite mise à l'échelle aussi pendant qu'on y est. C'est pas la peine de la faire très très grande en fait. Voilà. Parce que de toute façon, plus vous allez partir large, plus ça va arriver large au bout. Donc autant partir pas très large. Voilà. Ça me paraît bien. Maintenant, du coup, je disais les polygones du dessous, on n'en a plus besoin, on peut les enlever. On va reprendre le mode arête, on va faire une sélection par boucle, à nouveau ici, sur les derniers outils, vous avez la sélection par boucle ici, sélectionner par boucle, oops. Ici, sinon vous faites sur votre clavier UL, et ça va vous sélectionner directement le mode boucle, enfin sélectionner par boucle, voilà, on va sélectionner ça, on va faire un clic droit, extrusion, ce coup-ci on va décocher préserver les groupes. On va faire une petite extrusion sur ça, par exemple. Voilà, peut-être plus à vous de voir. Hein. Et si ça vous plaît comme ça, bah vous faites recommencer. Et recommencer, recommencer, recommencer. Bon, à peu près autant de fois que vous voulez, quoi. Selon le modèle de Méduse, si vous la voulez avec des tentacules un peu plus grande ou un peu plus petite. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est très bien. Ça me paraît pas mal. On va reprendre le mode modèle. On va prendre notre vue encore avant, voir un peu ce qui se passe. Notre axe, il est tout moisi parce qu'il n'est pas au bon endroit. Donc, mode axe, je clique. Je baisse mon axe à un endroit où il n'est pas moisi, c'est-à-dire à peu près au milieu de la tête de la méduse. Je reclique ici, du coup je peux sélectionner ma méduse, faire drop to floor pour la positionner sur le sol ou la lever avec les axes pour la mettre sur le sol. Ça, c'est réglé. On va passer à l'animation de la méduse. Ici, on va aller chercher non pas dilatation-contraction mais écraser et tirer, à ne pas confondre les deux. Je vais le placer en enfant de ma méduse. Je vais reprendre une vue avant, que ce soit plus visible et parlant à tout le monde, pour tout le monde. Donc voilà ma méduse ici. Et voilà ici mon écrasé et étiré. Donc je vais le placer, je l'ai mis en enfant de la méduse. Maintenant je vais faire un clic sur PSR pour qu'il soit exactement au centre de ma méduse, sur le même axe. Et on se rend compte que ici j'ai une petite barre mauve, celle-ci correspond au sommet, celle-ci correspond à la base. Donc le sommet théoriquement c'est ici et la base théoriquement c'est là. Donc sommet, je baisse. Et moi je baisse pas, je ne baisse pas jusqu'au sommet ici, en fait je vais monter un peu, je vais le mettre par là à peu près. C'est à l'œil, vous de voir, et la base pareil, donc ici je vais la descendre, voilà. On va reprendre nos vues de perspective, voilà. Et dans écraser et étirer, j'ai le mode facteur ici. Si je bouge mon mode facteur, j'écrase, j'étire, j'écrase, j'étire, j'écrase, j'étire. Donc logiquement, là, on est à 100%, on va baisser un petit peu.
Ouais, 90% frame 0, image 0. À l'aide de la touche CTRL, je maintiens appuyé sur CTRL, j'appuie sur la petite pastille ici, CTRL clic. Donc ça nous met un point clé. Je vais avancer de 10 images, très bien. Vingt, ça me paraît bien. On remet un point clé à l'aide de la touche CTRL. On va avancer. Alors, ça aspire, c'est contracté, donc ça a aspiré de l'eau. Là, ça expire et ça va rien. Donc, on va faire 25, c'est le temps. Ça doit être un peu plus long, un tout petit peu plus long. Et 25, je vais remettre 90 parce que ça met un peu plus de temps à aspirer l'eau, je pense, qu'à l'expulser. Et je remets une clé. Je remets à l'image 0, j'appuie sur lecture. J'ai une animation sur 25 frames, sur 25 images. Cette animation, ce qui serait bien, c'est qu'on l'ait sur 1000 images, n'est-ce pas? Donc, on va passer en mode animation, interface, interface, animation. Ici, on prend le mode clé. Si vous êtes ailleurs, c'est que c'est le mode clé. Vous avez votre écrasé et retiré et étiré ici, et le facteur. Ouvrir le facteur. Et on va sélectionner. J'ai pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, j'ai mon image 0, elle est là, c'est un peu déplacé. Mon image 1000, elle est là. Donc je vais sélectionner mes trois clés ici. Et je vais faire clé, cycle. Et là, j'ai mis sur 1000 images, je crois que c'est 46, ça ne va pas du bouger. Donc je vais mettre 40 par exemple. Selon le nombre d'images, vous baissez le nombre de copies évidemment. Hop! Voilà, donc ça m'a mis les points clés sur 1000 images. Je vais juste resélectionner les deux dernières qui sont inutiles, les effacer. Et du coup, bah, je peux revenir en fenêtre interface, interface, interface démarrage utilisateur. Mes points clés sont en place. Et ma méduse prend vie. Voilà. Bon, bah, ça c'est fait. Et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sur la méduse, maintenant, on pourrait faire propriété, simulation, corps souple. On a dynamique, collision. On va laisser tout ça comme ça. Ouais. Force. Alors, si là, je fais lecture, voilà ce qui se passe. Si vous voulez faire une méduse qui coule, c'est très bien. Si vous voulez faire une méduse qui descend doucement dans l'eau, vous mettez sur 1. Et à un moment donné, elle va se mettre à basculer et puis à faire une toupie sur elle-même, quoi. Donc le réglage, moi j'ai mis entre 3 et 4, je crois. Ça devait être 4. Je sais pas pourquoi mon axe bascule comme ça. Donc, on va faire rotation 1. Ah oui, c'est ça, j'avais dû faire jouer avec la rotation 2. Ouais, ça me paraît bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Rien. Mode point, peut-être la méduse. Avec le rectangle de sélection, CTRL A, sélectionner tous les points, faire un clic droit et optimiser au cas où, c'est pas nécessaire. Donc voilà, on a notre anime, là ça tourne pas mal. Est-ce qu'on peut faire l'animation tout de suite ici? Je crois que ça va bugger si je la mets pas dans un objet. Neutre, on va le tenter. La méduse, elle est ici. Point clé. J'avance à 50 images.
Ok, c'est ce que je pensais. Donc, je vais effacer ce point clé là. Je vais prendre ma méduse, la sélectionner, faire un Alt G pour créer un neutre dans laquelle elle se place, renommer sa méduse. Hop, et je vais donc mettre un point clé sur ma méduse ici, à l'image 0, à l'image 50. On va travailler sur la vue avant. L'image 50, on va dire qu'elle est ici. À peu près. Et puis qu'elle a une petite inclinaison. Comme ça. On va mettre un point clé. Ensuite, on va avancer à l'image 100. C'est ça. Par là, faire une petite rotation. Prendre un point clé. Puis on continue comme ça. Chose près. Vu? C'est étrange. Comme c'est étrange. D'accord, je préfère. Je me disais pas mince. Donc voilà, la méduse qui grimpe. Alors après, on peut jouer sur le temps évidemment, en déplaçant un peu les points clés. Celui-là, si j'y arrive. Par exemple, on va revenir au début. Voilà, comme ça on a quelque chose d'un peu plus long, un peu plus lent, pardon. Donc on va arriver à la frame 299. Vous l'avez compris, on prend sa méduse, on va avancer jusqu'à la frame, je sais pas, 400. On va prendre notre méduse. Hop. Un peu l'axe. Mettre un point clé. Par exemple. Hop. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense que vous avez compris un petit peu le système. Et là, logiquement, notre méduse, elle monte doucement, mais elle monte sûrement. Donc après, c'est pareil selon si vous voulez qu'elle accélère ou pas, vous rapprochez ou pas vos points clés. Après, vous pouvez aussi aligner la méduse sur une spline, évidemment, etc. Il y a plein de méthodes, je vais au plus court, c'est pas vraiment le but. Voilà. Donc, ça, c'est réglé. On a notre anime. On a notre méduse qui grimpe. Accélère un peu, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'autres que ça. On a notre méduse, on l'a comme ça, on a notre anime. Ce qu'il y a, c'est que là, notre anime, elle est clé par clé, par point, 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 par point. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de prendre notre méduse ici, d'aller dans notre cache ici de dynamique. On va remettre ça à 0. On va prendre notre cache et on va faire conformer. On va attendre un peu, là il y a 1000 images, donc bon, j'aurais pu le faire sur 500, c'est vrai que c'est un peu nul.
toute façon. C'est assez rapide, vous allez voir, on est déjà à la moitié. Donc vous conformez vos dynamiques. Voilà, ça doit être fait. Une fois que vous avez fait ça, on va se prendre un petit... personnage gestionnaire, un petit cappuccino, ça nous réchauffer. On va décocher position, échelle, rotation, on va cocher animation de points. On va mettre activer en temps réel et on va cliquer ici sur notre méduse. Et on va laisser appuyer. On va laisser appuyer jusqu'à ce que nos 1000 images se passent. En gros, je maintiens le clic appuyé. Si vous voulez vous arrêter à 500, là, je peux peut-être m'arrêter à 500, je pense que ça va le faire. Je vais quand même pousser au 1000, c'est pas grave, mais bon, 500 c'est leur effet. Donc on voit en bas position, taille, rotation qu'il est en train de tout calculer. En fait, il est en train de faire une animation par point, point par point à notre place. Et c'est tant mieux, on a autre chose à faire. Je relâche à 1999 images, voilà. Logiquement, j'ai mon anime. Donc logiquement, maintenant, je peux retirer, écraser, retirer, étirer. Et j'ai quand même mon anime. Voilà. Qui fonctionne. J'ai ma méduse. Si je la sors de là. Par contre, elle va vers le bas. Parce qu'évidemment, elle n'est plus dans son... Mais on voit les points clés ici. Donc, je la remets dans ma méduse. Ouais, ils apparaissaient pas parce que j'ai peut-être pas fait une mise à jour. Maintenant, on voit tous nos points clés, notre anime, point par point. Voilà. Bah voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Pas très compliqué. Non, si, c'est pas fini. Faut l'habiller un petit peu, notre méduse. Donc, on peut. On peut simuler tissu, surface tissu, mettre ça dans notre surface tissu par exemple. Surface tissu, on a l'épaisseur. Alors si on fait du plus, ça ne va pas aller, donc on va faire du moins. Donc on va faire 5 cm, c'est très bien. Et puis par contre, subdivision, on peut mettre ça à 0, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis 3, 0, j'ai dit, voilà. Parce qu'on va remettre ça dans un hyperneur de surface de subdivision. Voilà. Et voilà. On a notre méduse. Petite texture. Double clic. Texture, couleur, nom. Spécularité, je pense pas. On peut prendre luminescence, transparence. On peut prendre lueur. Après, à vous de jouer. Genre luminescence, texture. Dégradé, pourquoi pas. Circulaire. Oh, oh, oh. Donc voilà un bleu un peu foncé ici, un bleu un peu plus clair ici. On va mettre beaucoup plus clair. Voilà. Peut-être un peu moins foncé ici. Voilà. Et puis dans transparence, bah, vous cochez additive. Donc du coup, voilà. Lueur. Vous baissez, vous réglez à peu près comme ça vous chante, on va dire. Voilà, 10300, non, faites pas ça. Faites, non, ça non plus. 37, bien. Voilà.
Voilà, ça nous fait un petit truc dans le genre. On va aller coller ça sur notre surface tissu, par exemple. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Si je mets ça en cubique, voir ce que ça donne. Ouais. Par exemple, mais c'était pas mal en UVW. Après, vous pouvez rajouter du bruit. Je vais pas trop m'embêter sur la texture, à vrai dire, parce que c'est pas non plus le but du tutoriel. Moi, j'en ai trouvé une bien, je sais plus où j'avais pris, parce que je pense que ça en restera, intéressera certains. C'était. Je sais plus où elle est. Celle-ci, Science Fixture Texture Pack 1.1, c'était celle-là. Voilà. Parce que je me suis pas embêté, j'ai fait le truc rapidement. J'avais une heure pour m'amuser, j'ai fait ça. Voilà. Enfin, un peu plus d'une heure, je plaisante. Donc, on a notre anime, voilà. Hein. Donc, on va faire ça vite fait. Les réglages de rendu, je laisse comme ça, au mieux, patati patata. Enregistré, on avait dit Film Quick Time. C'est parti. Et on voit en laissant tous les réglages de base, c'est pas. Je pourrais même augmenter un petit peu, je pense, très largement même l'anti-aliasing, monter à 2,2, 4,4, parce que là on est déjà à 7 images en 22 secondes. Donc ça va, c'est pas. Ça fait à peu près du 2 secondes, 3 secondes par image. C'est relativement rapide pour un résultat relativement propre. Sans mettre de fond, etc. Évidemment, parce que si je commence à mettre un fond, des rochers, des petites algues qui bougent, un requin, un poisson, un bateau pirate derrière, ah, ça va être super beau, mais ça va être super plus long. Enfin, après, ça dépend si on projette une image, comment vous débrouillez. Mais voilà. On a un petit aperçu de ce que ça donne. Ça m'énerve, ça, là. On va laisser encore quelques images se faire. La texture, ici, plus vous jouez ici, je pense, plus vous allez par là. Plus ça sera transparent, plus ça va par là, plus ce sera opaque en fait, par ici en fait. Plus on va aller par là, plus ce sera transparent sur les côtés, je pense. Et plus vous allez aller par là, plus ce sera opaque ici. Bon voilà, on est déjà à 32 images en 1 minute 40, je pense que ça vaut le coup. Et on a quelque chose de pas trop mal. Bon, alors après, évidemment, si on zoome, ça pixelise, mais je vous dis, wow, t'énerve pas, va pas t'énerver. Il va se casser quelque chose. Je pense, ouais, qu'on peut, vu le temps de rendu relativement rapide, remettre un petit peu ici, genre du 2,2, 4,4, quelque chose d'un peu plus propre, mais c'est déjà pas mal. Pas non plus pendre, et puis bon, après ça dépend du point de vue de la caméra, ce que vous allez, si vous voulez mettre un gros plan ou pas, etc. Mais honnêtement, je pense que comme ça, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Bon, bah voilà, petit tuto, vite fait, rapide. J'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai toujours mon disque dur interne à faire réparer. Là, je tourne sur le disque dur externe. Il y a moyen, alors. Petite parenthèse à la fin, vite fait. Évidemment, il y a moyen ici de faire quelque chose de beaucoup mieux. Vous pouvez construire des organes internes ici au-dessus, bien entendu, avec un autre objet, que vous allez mettre un enfant de la méduse pour qu'il suive le même parcours. Vous pouvez, sur la méduse ici, en mode point, venir chercher des points
ici, il y a des points. Les sélectionner et attacher des cheveux et faire des petits filaments. Ou mettre une spline et puis avec une forme cercle et puis une extrusion d'air, faire des toutes petites splines aussi en n'oubliant pas de mettre des points sur vos splines, sinon évidemment elles seront toutes rigides. Voilà. Et puis jouer avec les textures, le changement de couleur, etc. Il y a plein de trucs à faire. Donc c'est vraiment la Méduse de base, mais il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Je pense que quand j'aurai mon ordi un peu plus opérationnel, je ferai quelque chose peut-être d'un peu mieux. Je l'espère. Bon, ben voilà. En 3 minutes, 4 minutes, une petite anime sympa. Voilà. On est à 4 minutes 37 pour 84 images. Ça va nous faire du 100 images pour aller 6-7 minutes. Il y a 1000 images. Ça fait un peu plus d'une heure, je pense. En mettant 4-4, 8-8 ou 2-2-4-4, vous allez faire 2 heures et vous allez avoir un truc propre. Voilà. Bon, bah j'arrête le rendu là. Et puis je vous dis à plus. Tchuss. À bientôt. Amusez-vous bien. Peace.